Bonsoir mes petits potes, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des vidéos séances que j'ai l'habitude de vous partager parce que d'habitude tout simplement je coupe le son de tous les plans vidéo que j'ai et je mets ma voix off par dessus comme ici. Là j'ai décidé de faire un peu différemment, on entend bien les commentaires de ma coach qui était aussi la propriétaire d'Halifax sur les plans vidéo parce qu'il s'agissait d'un cours particulier en fait où j'étais toute seule avec elle et il n'y avait personne d'autre. Malgré le vent vous verrez on entend vraiment bien tous ces commentaires donc je trouve que c'est intéressant de les laisser. Il s'agissait d'un de nos tout derniers cours particuliers ensemble il y a quelques mois à la fin de ma demi-pension sur Halifax, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais juste avant de laisser les commentaires de Maroussia, ma coach, vous commenter rapidement ce qu'on faisait là avec Ali. Tout simplement je le marchais un petit peu partout dans la carrière le temps que ma coach arrive pour lui montrer tous les petits coins, il y avait un peu de vent, bon c'est un 5 ans, on les connaît, ils sont un peu débiles, enfin c'était un 5 ans à l'époque, donc voilà, dans la décontraction, rien assez long, lui faire venir tout doucement commencer à prendre le contact et tout simplement le mettre dans de bonnes conditions pour commencer le travail dans le calme. Enfin voilà, maintenant je vais vous laisser écouter les commentaires de Maroussia et ça vous fera un cours particulier gratuit au final. On attaque à le trotter et maintenant lui il va dans le travail beaucoup 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 de transitions pour commencer à remettre du poids sur les postérieurs. Il a vraiment changé physiquement. Oui, je trouve qu'il est plus, il se porte mieux. Alors on va pas faire trop de lignes droites sur la piste, tu vas plutôt essayer de faire des 8 de chiffres. Voilà, un peu plus de flexion, qui soit un peu plus rond, un peu plus au boulot. Voilà, et bien là, écarte ta main gauche, pousse avec ta jambe gauche. À gauche, c'est le plus dur. Hein. Voilà. Voilà. Et ça. Et après, en fait, ce que tu demandes, tu vois là, tu avances ta main droite. C'est bien. Mais il ne faut pas lâcher le contact quand tu avances ta main droite. Et mon talon, il redescend. Oui, bien, Céline. Et on remet droit. Bien. Et de la jambe gauche. Contrôle de l'épaule, on ne laisse pas se sauver. On garde le contact, bien, on écarte la main gauche, garde ta reine droite tendue, on repasse au pas, quand tu pousses avec ta jambe intérieure, tu pousses contre ta reine extérieure, tu envoies le postérieur devant, le cheval du coup il vient vraiment fléchir son jarret. Il est obligé de monter son dos et quand tu montes son dos, tu vois ce que j'ai envie de faire. Ok ? Donc c'est hyper simple pour lui. Attention, quand tu trottes, essaye de garder le haut de ton mollet, parce que tu es grande, c'est un peu le même problème que moi, le haut de ton mollet au contact. Pour pas avoir ces petites variations d'équipe que tu as quand tu fais une transition au pas ou quand il prend au trot et qu'il accélère, tu viens taper l'arrière de la selle. Là maintenant, quand il est pas rond, il se tient. Il n'est pas raide ouvert non plus. Il se tient devant comme ça, il a un état assez naturel. Et après, toi là-dessus, tu vas juste lui demander de pousser un petit peu plus. Et alors lui, c'est un cheval, comme il est très rigide, et qu'il a déjà le dos très droit, c'est pas un cheval qui a un dos creux. Donc c'est un cheval qu'on a besoin de fléchir pour assouplir en fait. Elle m'expliquait, la dresseuse avec qui je bosse, les paints, ils ont le dos assez comme ça. Bon là on n'entend pas bien sur les plans vidéo, mais Maroussia m'expliquait que Halifax ayant un physique de paint horse, puisqu'il est moitié paint si je dis pas de bêtises, il a un dos pas creux du tout, au contraire assez droit et même plutôt bombé, ce qui fait qu'il est très important de le travailler latéralement pour l'assouplir, et ce petit à petit bien sûr. Et au contraire elle me donnait l'exemple d'autres chevaux de l'écurie qui ont le dos beaucoup plus creux et des ports de tête très hauts et qui sont plutôt tout le temps un peu creusés finalement, et bien ceux-là il faut principalement les travailler de façon longitudinale et travailler le mouvement en avant plus que le latéral. C'est quelque chose du coup qu'elle m'expliquait, voilà, vous la voyez bouger dans tous les sens, vous captez. Les courbes quand il y a besoin et pas que de la ligne droite, hein, mais... Tu vois, bah moi je préfère... Tu vois, il a une très bonne attitude, Héloïse. Il a la nuque au point le plus haut, il a le chanfrein... Bon là, plus du tout, mais quasi à la verticale. Ça, ça me plaît. Oula, décède pas. Ça, c'est parce qu'Héloïse, elle me fait promener toute nue à 5h du matin dans Lyon. C'est de sa faute. Voilà, ça c'est super. Tu vois, là, il a rompu le contact. Tu écartes un peu tes mains pour le récupérer. Tu le fléchis un peu et tu le remets gentiment au boulot. Et là, tu vois, quand tu fais ça, il faut que tu récupères sur ta reine droite. Parce que si tu le pousses avec ta jambe gauche et qu'il n'y a rien pour le récupérer, bah lui, il va continuer de se barrer. Voilà. Et remets droit. Avance ta main gauche, tends ta reine droite.
Voilà. Tends ta reine droite, pousse avec ta jambe gauche. Voilà. Là. Et après, soupe dans les deux bras, soupe dans les deux bras, soupe dans les deux bras. Voilà. Et les deux jambes qui continuent de se pousser. Attention, pas tout dans la reine gauche. C'est ta reine droite et ta jambe droite qui te font tourner. Voilà. Et les deux jambes quand il fait le zigzag. C'est qu'il ne se pousse pas. Voilà. Et on repasse au pas. Et on repart au trot. Bien. Super. Raccourcis un tout petit peu tes raies. Bah, c'est normal, il est super bien. Ok, on va repasser au pas, faire une petite pause comme il est très bien. Vous comprenez que c'est bien. Quand il se remonte un petit peu lors de la ligne droite, il se déconcentre, d'accord? Ouais. Que tu vois qu'il regarde un peu. N'hésite pas à tricher un peu, pianoter tes doigts, parce que là, c'est pas un problème de locomotion, c'est un problème que c'est un bébé, que c'est un mec et qu'il se concentre pas. Hein? Le combo. Voilà. Il est déjà pas très concentré de nature, c'est quand même, il a un tempérament très curieux. Ouais. Donc au boulot, des fois, c'est pas qu'on bidouille dans ses doigts, c'est juste qu'on lui dit « Hé mon gars, regarde, je te demande encore quelque chose. » Et tes transitions, pareil. Il a une bouche assez forte. C'est un cheval qui a une bouche assez rigide, hein, il est rigide. Donc quand tu fermes tes doigts et que tu agis, tu vois, pour freiner, il n'est pas encore tout à fait au bouton. Donc n'hésite pas à un peu jouer dans tes doigts. Et c'est très bien, la dernière transition que tu as faite, tu t'es bien assise dans ta selle et tu as mis du poids sur son arrière-main. Pas à se mettre debout, la première transition que tu as faite de la séance, tu t'es un peu mis comme ça. Elle fait des départs du pas, elle est enfant. Ouais. Et on cède. Il a cédé, ramolli dans ses doigts. Voilà. Pas trop de plis à droite. Avance ta main droite. Écarte tes deux jambes. Et souffle. Fonctionne dans tes bras. Mais pas droite-gauche avec tes mains. Tes mains fonctionnent ensemble avec le balancier du cheval. On repasse au trot. Et petit trot. Tout de suite au boulot, utilise le pli droit si tu as besoin, reste sur le cercle, voilà, et recède. Écarte un peu ta main droite. Voilà, ouais. Ralentis sur la reine gauche, pas sur la reine droite. Voilà, et galop à droite sur le cercle. Bien, super. Pareil, tourne avec ta reine gauche et ta jambe gauche. Ta main droite, elle indique que la direction. Le contrôle des épaules, c'est la reine gauche et la jambe gauche. Et une fois que tu as agi pour qu'il freine, il faut que tu cèdes pour qu'il n'ait pas envie de rester branché sur tes rênes. Voilà. Bien. Très bien. Et on repasse au trot. Et on reprend le galop. Va pas toucher la piste. La piste, tu t'en sers trop. Voilà. Et galop à droite. Bien. Très bien. Voilà. Avant la piste. Avant la piste. Avant la piste. Voilà. Bien. Comme tu as le contrôle latéral, bah ça y est, il accélère plus, tu as le contrôle longitudinal. Tire pas vers toi. Tes mains sont vers lui. Tes mains appartiennent au cheval. T'écartes ta main droite, tu tends ta reine gauche. T'écartes ta main droite, tu tends ta reine. Un petit bout de ligne droite, on garde concentré, pas collé à la piste. Hein. Bien, ça, Héloïse. Regarde où tu vas. Ça vient. Super. Joue un peu dans tes doigts quand il accélère. Super. Et au trot. Très bien, Héloïse. On le laisse faire une petite pause et on fera à main gauche. Et qu'en plus, toi, tu as l'air d'être forte à gauche. Il faut vraiment que tu essayes de relâcher le bras et je me rends forte à gauche. Parce que vu qu'il est plus bloqué, juste t'indiques la direction avec ta main gauche et tu le plies dans ta jambe gauche. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu as besoin, l'adresse va nous être très bien. De chasser un peu les hanches au départ. Ouais. Et donc, et ta jambe, tu la reculer un peu de sang pour bien ton dos. Ouais. Vraiment réussir à faire passer le postérieur en gauche. En gardant le contact sur la reine droite. Oui, mais juste, en fait, et alors c'est ça aussi que je vais te faire. En fait, ce qu'il faut, c'est que comme tu vas écarter ta main gauche, tu dois garder ta main juste pour que le fait d'emmener le mort vers la gauche, ça tende ta reine droite. C'est pas je tends ma reine droite. Et par contre, c'est pas je la détends pour complètement laisser passer les points de gauche. Okay. Et au début, il faut vraiment que tu arrives à le fléchir. Tu vois, mais moi, je tire pas là à gauche. J'ai 2 grammes. Ouais. Et par contre, ma jambe gauche, elle va dire plie-toi, 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 plie-toi. Tu vois, et moi, juste, je le garde avec ma main. Voilà. Tu vois. Mais voilà. Viens. Super.
Regarde. Très bien. Super. Et léger à gauche, léger. Voilà, juste dedans. Voilà. Écoute, s'il est comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et tente arène droite. Essaye de rentrer les épaules. Fais un plus petit cercle pour pas qu'il ait envie de galoper trop vite. C'est pas grave s'il s'ouvre un peu. Voilà. J'aimerais qu'on arrive à réaligner un petit peu plus. Oui. Tiens. Très bien. Super. Et on redemande un petit peu. On écarte la main gauche. Pas de résistance. Souple dans la main gauche. Souple, souple. Voilà. Tente arène droite. Là, tu détends trop ta reine gauche. Droite, arène droite. Voilà. On repasse au trot, Héloïse. Et viens me voir. Donc, tant que. Arrête-le, c'est bon. Il est grand maintenant. Il arrête de t'emmener. Encore. Arrête. Stop. Arrête. Le problème, c'est que ça demande de l'aligner. Ça lui demande de se gainer. Et au galop à gauche, de tenir et se gainer. Pour lui, c'est physiquement hyper difficile. Donc, j'accepte qu'il s'étende un peu plus. Pas dans ce petit galop parce qu'on est en train de lui dire bah en même temps faut que tu tiennes la tête à gauche et là c'est perdu pour lui, il n'y a aucun problème. Par contre, quand après on arrête de chasser les hanches, on lui demande de freiner, il freine et toi tu comptes faire ça et lui il fait donc il y a cette sensation de presser les citrons. Et vraiment comme tu presses ton citron le matin ou ton jus d'orange et je sais pas ce que tu veux. Là, Maroussia m'expliquait qu'étant donné que Halifax a énormément de difficultés à gauche, c'est vraiment sa main faible, on va dire. Il fallait vraiment que je travaille mon contact et puis elle m'a donné différentes astuces avec cette image de presser les citrons pour avoir un contact constant mais en même temps qui fasse réagir Halifax. Et après, elle me disait que en soi au galop, là, c'était bien, il était rond, alors complètement tordu, mais au moins il se tenait et que ce qu'on allait rechercher, c'était grâce à des cercles à l'amener sur une attitude un petit peu mieux. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire un cercle, pas trop grand, en fait de ne pas dépasser la moitié de la carrière. Okay. La carrière, elle fait quasiment 40 de large. Donc un cercle de 20 mètres, tu ne dépasses pas la moitié. Au boulot. Voilà. Et après, souffle. Et maintiens ton contact stable. Ne te mets pas debout. Quand tu l'arrêtes comme ça, tu dois rester à... Les reins tendus, qu'est-ce qu'il est fini? Parce que là, tu l'arrêtes et il s'arrête comme ça. D'accord, qu'il apprenne que le mort doit céder. Allez, on est parti, galop. Trot et puis galop. Voilà. Petit galop d'abord. On rentre pas dans le conflit, d'abord il reprend le petit galop de tout à l'heure. Il t'écoute, on joue dans les doigts et on arrondit un peu. Voilà. On essaye de lui mettre la tête légèrement à gauche. Voilà, ça c'est bien Héloïse. Cercle. Regarde où tu vas parce que là, tu fais ta main de la vie. Tu sais, il va t'y faire mettre parce que tu regardes bien loin devant, mais tu es loin devant. Regarde où tu dois aller. Et on refreine, ligne droite, il obéit. On joue dans les doigts. Bien, Héloïse. Tu refreins un cercle sous le panier. Et mets plus de plis. Petit cercle, petit le cercle. Du pli, petit cercle. Du pli, petit cercle. Du pli, les épaules dedans. Voilà, Héloïse, ça c'est bien. C'est bien, ça super. Cercle, sans chasser les hanches. Repasse au trot sur le cercle. Ne te penche pas en arrière pour tourner. Regarde où tu vas. Ne te mets pas debout. Presse tes citrons. Et tout petit, on ne laisse pas courir. Petit, presse tes citrons. Reste sur le cercle, la ligne droite, ça t'aide à avancer. Moi, je veux qu'il aille doucement. Encore. Voilà. Garde ton contact. Les rênes ajustées. Autour de ta jambe gauche. Là. Et dans la jambe, regarde où tu vas. Doucement, bout dans tes doigts. Bien, on essaie de ne pas lui mettre la tête à droite. Doucement, doucement, encore. Bien, oui, oui, c'est bien. Et cercle autour de nous. Sans qu'il accélère, je voudrais juste qu'il tienne son cercle doucement. Sois plus précise dans ton tracé, que tu saches où tu dois passer. Et continue de presser tes citrons. Bien, Héloïsa. Ok. Et freine, freine. Quand tu tournes à gauche, ta reine gauche, elle doit faire je presse et je dépresse pour lui indiquer de tourner. Sans tirer, tourne sur tes deux reines. Voilà, là. Ta reine droite, là, elle est trop détendue, Héloïse. Bon là on arrivait en fin de séance et Halifax commençait un petit peu à s'énerver et moi même à perdre un petit peu mes moyens. Du coup Maroussia est montée un peu sur le dos d'Halifax pour le remettre un petit peu aux ordres on va dire. Je tiens quand même à souligner le fait assez impressionnant qu'elle soit montée avec mes étriers au Ophéna en basket et sans les semelles à l'intérieur. Il faut que tu montes avec...
avec tes deux mains ensemble. Bon, on voit quand même que c'est pas du tout la même quand c'est Marussia qui monte à Halifax et moi. Mais bon, j'ai envie de dire c'est normal, elle est coach, voilà. Mais voilà, en gros, elle me montrait comment fonctionnaient les mains, le dosage et tout. Et c'est vrai que c'est des choses que, même après des mois avec Ali, j'avais toujours pas acquis réellement en profondeur. Donc c'était pas plus mal qu'elle me remontre comme ça. J'indique de tourner avec ma main gauche et après, quand je commence à avoir du mal avec l'épaule droite, je joue un peu avec la reine droite. Tu vois, dès que je me durcis un peu, ça y est, je pars droit. Ouais. J'indique la direction avec ma reine gauche, avec le pli à gauche, il commence à se coller un peu sur ma reine gauche, ouais. Là, je joue avec ma reine droite et je reprends à gauche. Par contre, si je me mets à tirer, c'est mort. Ouais. C'est vraiment que Et puis je suis remontée pour finir cette séance parce que bah c'est la mienne mine de rien, c'est pas celle de Maro. Sur tes deux rênes, sur tes deux rênes. Il va doucement. Et regarde où tu vas là, tu regardes là-bas. Voilà. Presse ta main gauche. Voilà. Ok, galop. Très bien, Louis. Voilà, presse ta main gauche. Avance là, devant. Voilà. Et reine droite. Ok, c'est mieux, on refait. Petit, il va trop vite, petit. Sur tes deux rênes, freine sur tes deux rênes d'abord. Freine sur tes deux rênes. Encore, freine sur tes deux rênes. Plus petit, sur tes deux rênes. Ok, maintenant, regarde ton tracé. Tu tournes à la cabane Fouillou. Ok, et une fois que tu es vers Mathilde et moi, ok, commence à regarder la cabane Fouillou. Joue dans ta reine gauche. Joue dans ta reine droite. Le laisse pas, là il prend trop de vitesse, freine. Vraiment, assis-toi, freine. Quand tu es en ligne droite, il va plus doucement que ça. Donc, c'est à toi de gérer la vitesse. Et dès qu'il accélère, c'est la reine droite. Oui. Bien ça. Regarde où tu vas, là. Tu regardes les... Ben oui. Tu sens que ce demi-cercle, il accélère. Ouais. Freine et après tourne. Galop. Et au trot, on n'a pas de problème. Dis quoi ? Tu arrêtes de tourner, là. Arrête. Commence à tourner. Joue dans ta reine gauche. Redresse-toi, le laisse pas accélérer. Et ben voilà. Encore. Bien. Et à gauche, tourne. Et puis voilà, sur la fin, on a quand même réussi à obtenir de très jolies choses. Et puis après, elle m'a dit au trot, au pas, tranquille, marcher de partout dans la décontraction. Reine longue, il avait quand même extrêmement bien bossé, même jusqu'au moment où il avait commencé à s'énerver. Mais c'est normal, c'est un jeune, en vrai, on a fait une séance assez longue. Ça consomme beaucoup d'énergie pour un jeune cheval comme ça, de rester concentré une heure complète de cours particulier pendant laquelle tu as le prof qui est H24 sur ton dos à corriger le moindre de tes défauts. Non seulement pour moi, c'est sûr, mais aussi pour Halifax. Vous avez chaud tous les deux. Ouais. Lui aussi. Et puis voilà, avec tout ça, notre cours particulier très instructif avec Marussia était terminé. Je l'ai marché un petit peu dans la carrière en main. Puis en tant que très bonne cavalière exemplaire, j'ai ramassé les crottins avec l'appel à crottins qui ne ramasse plus rien parce qu'il manque une dent sur deux. C'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu avec une différente approche de mes séances commentées en écoutant tous les commentaires de Marussia comme ça et peut-être que ça a pu vous aider aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, me faire savoir en commentaire. Ça me ferait super plaisir et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss.